j'avais une réelle problématique, j'étais pas bien, j'avais le cœur brisé, du terme Villa le cœur brisé, et j'étais au plus mal, j'avais vraiment besoin de faire ce programme ou de voir Lucie. Quoi qu'il en soit, que si je l'aurais pas fait, j'aurais quand même vu Lucie à l'extérieur. Donc moi j'ai dit à la production, si vous me prenez pas, juste donnez-moi le numéro à Lucie, et je la contacterai, je la verrai personnellement quoi. J'attendais Lucie qu'elle me fasse, qu'elle m'apprenne à aimer à nouveau, que j'ai confiance en moi, voilà tout ça, à me canaliser, me calmer, j'attendais beaucoup beaucoup de choses d'elle en fait, tout ça quoi. J'apprétendais énormément tout ce qui est coaching, voilà, rencontrer les prétendantes, parce que moi dans la vie normale en fait on pense pas, mais je suis quelqu'un de timide, j'ose pas aller vers les filles, voilà, en général c'est les filles qui viennent vers moi parce que moi j'y vais pas trop. Et je savais pas comment ça allait se passer. J'espérais, parce que moi je suis gaffeur, pas trop manquer de respect voilà, aux prétendantes. Et j'étais vraiment stressé quand même. L'ambiance elle était géniale, il y avait pas vraiment de gens très méchants cette année, c'était pas haineux comme l'an dernier. Là c'était différent, je trouve, il n'y avait pas de haine en fait. Il y avait des disputes mais jamais vraiment de haine. On était tous là pour s'entraider et voilà, moi j'avais peur que, entre guillemets, d'enlever ce masque de clown, de montrer mes points faibles et qu'on profite de ça. Dans d'autres programmes, je l'aurais jamais fait parce qu'on m'aurait massacré. Mais là il n'y a personne qui en a profité et c'est ça qui m'a plu quoi. J'ai gagné une forte amitié avec Florent, c'est vraiment une personne extraordinaire. Enfin, je sais pas, c'est une belle personne. C'est le mec qui est beau gosse, mais qui le sait, mais qui le dira pas. C'est le mec qui a réussi dans sa vie, mais qui va pas te le dire forcément. Il est humble, il est gentil, et il est de bons conseils, et il sera toujours là pour nous. J'ai réussi, grâce à Lucie, à sortir cette carapace de clown pour pouvoir montrer qui j'étais vraiment, entre guillemets. Moi, je suis jamais sérieux. Voilà, je suis quelqu'un qui prend tous les déconnades, je me fous tout. Et pour une fois, j'ai réussi à être sérieux de temps en temps.